retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Commentez, partagez, laissez-moi un maximum de likes, suivez-moi sur mon compte Instagram et je vous laisse pour la suite de cette vidéo. Bisous. Après avoir démêlé les cheveux, on va faire une séparation. Puis ensuite, on va passer à l'étape suivante qui est le nettoyage des feuilles, d'hibiscus et la fleur d'hibiscus. La troisième étape sera de retirer tous les guimauves, tout le gel. Ensuite de l'appliquer sur les cheveux. Je pense qu'il était 22h ou 23h, donc du coup on n'a pas pu faire le soin.
j'ai mis des sous sur la cheminée. A few moments later. Alors là, on a acheté de l'huile d'orisson à la pharmacie. C'est très bon pour la pousse des cheveux. Donc on va l'appliquer après avoir fait le soin. Thank you.
N'oubliez pas, commenter, partager, liker et activer la cloche de notification qui se trouve juste en dessous. Bisous.